Salut à tous et à toutes. Excusez-moi pour ma voix. C'est Shikamaru 4900. Alors ça fait longtemps, hein, c'est vrai. J'ai eu des petits problèmes au niveau de la gorge. J'arrivais plus du tout à parler. Donc je m'en excuse à l'avance. Et donc je suis de retour, pas pour Retour vers le futur, mais plutôt pour Battle for Los Angeles. Battle for Los Angeles, déjà j'y ai pas encore joué, donc je vous attends, c'est pour ça. Voilà. C'est avant tout un film, Battle for Los Angeles, que j'ai vu. Que j'ai vu au cinéma et qui est vraiment un très très bon film. Très très bon film. Et ça, c'est un jeu qui a été dévoilé pas longtemps avant le film, hein, genre on va dire un peu plus d'un mois, on va dire. Et en gros, c'est pas un bête de jeu, faut pas s'y attendre. De toute façon, tous les jeux en rapport avec les films sont bien pourris d'habitude, hein. Mais celui-là, il était pas très cher et voilà quoi, j'adorais le film, donc je veux me faire ma propre idée. Alors avant tout, ça sera une vidéo qui durera au moins 45 minutes. 45 minutes parce que le jeu est très très court. J'aimerais vous le finir en une seule vidéo. Donc on va pas parler plus longtemps. Voilà, démarrer une nouvelle campagne. Ah oui, j'avais lancé mais j'avais coupé directement le jeu. C'est parti, on va mettre en normal, hein. Attendez. Oh là 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 là, j'ai fait une erreur. Une putain d'erreur. Excusez-moi pour le gros mot. Surtout que j'ai oublié, faut que je prépare mes commandes, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Alors, jouer à la souris, au fait. Déplacement avant. C'est quoi? Hop. Ah, ok, d'accord, il le prend comme un clavier anglais. D'accord. Zoomer. N'importe quoi. Voilà. Ok, interagir. Je préférerais que ce soit eux. Ouais, ça doit être bon. Voilà. Voilà, c'est parti. On va pouvoir vraiment commencer. Est-ce que vous voyez là à l'écran le monstre là, c'est les aliens que nous allons combattre. Oui. Allez, en mode normal. Et c'est parti. Oula. Je crois que j'ai mis mon arme. There was once a time, not too long ago, when we thought we were invincible. The biggest, baddest force on the planet. We lived in relative peace, without real fear that anyone, anything, could challenge us. But one morning in March 2011, we were invaded by a force that we never could have imagined. And things, well, things will never be the same again. This just in. Oh. There have been reports this morning of as of yet unidentified objects that appear to be falling into the coastal waters off Santa Monica. Early reports are that these objects might very well be meteorites. C'est dommage que ce soit pas des vraies cinématiques. Et bon, pour un petit jeu, ça va passer. We have just received word that similar occurrences are being reported in Buenos Aires and Tokyo. It is not yet confirmed whether these falling objects are meteors or some other unexplained weather phenomenon. They really thought it was a meteor shower. It didn't take long for them to change their minds. We were getting sent into the heart of it. And no one needs an arsenal to clear out a bunch of space rocks. We have analyzed film of the falling objects and their trajectory from satellite imagery. These objects are slowing down substantially before impact with the surface of the water. I think the implications of this are pretty clear. Yeah, they were clear all right. We were under invasion, and it wasn't the goddamn Taliban. Phase two, we had 3 hours. 3 hours to evac some civvies holed up in a police station in Santa Monica. We needed to get in and get out before our birds carpet bombed the area back to the Stone Age. It was easier said than done. There were just a few of us, Staff Sergeant Nance, an old timer with a bad reputation. C'est le héros du film, lui. But man could he lead. When all was said and done, he would turn the tide of this war. We're almost there. Hang on. So, you guys ready for a fight? Hell yes, Staff Sergeant. Hell yeah. Good. You listen to me, you just might get out of this alive.
c'est parti. Ah bah voilà. Bon. Bah graphiquement, c'est pas super moche. On va dire ça comme ça. Attends. Oh, d'accord. Ok, j'ai compris. Bon. On va avancer, hein. Donc là, nous sommes à Los Angeles, hein, vous avez dû deviner. Pour les objectifs. Reconnaissance de zone. Alors vas-y, monte-toi. Non, c'est pas super moche, hein. C'est même limite un peu joli. Quoi. J'ai vu des jeux plus moches. Même si c'est un jeu qui paraît très très linéaire, il est assez joli. Donc là, on est tout. Normalement, dans le film, nous sommes plus nombreux. Hein. Mais bon, je vais pas vous gâcher le film, je crois que. Si, ça va un peu vous le gâcher. J'ai pris un snipe. Ok. Marche dessus. Non. Ok, je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment on l'utilise. Bon, c'est pas grave. C'est parti. Donc j'ai un snipe. Et voilà. Si c'est pas la classe. Il y a le sniper dans le counter. Ah bah voilà, en fin de l'ennemi. Ça mon petit gars, les extraterrestres. Hop. On va les snipe, on teste. Headshot. Ah non, pas headshot. Headcore. Anybody shot? Ah non, head, ça veut dire tête. Je suis con. Bref. Ouais, c'est vachement linéaire. Hein. Nous sommes vigilants. Nous entrons dans le combat. C'est parti. Bon, niveau sonore, c'est pas mal. Hein. On se croit vraiment à la guerre. Fire everything you got. Attends, moi je... Tire sur quoi? Ah, ils sont là-bas. Putain, je vois. Pour vous dire, là, je tire. Hein. Je tire, hein, mais ça se... On voit pas l'impact. On voit pas l'impact, on voit pas les coups de feu. Grenade! Pourquoi il est encore vivant, lui? Il se prend pour qui? Attention. Ah, ça c'est fait. Oh putain, par contre je me fais tirer. Ah, il doit avoir de l'eau. Et ouais. Faut que je me mette à profit. Bon, les touches, hein, c'est comme du Call of Duty, vous savez. Hein. Y'a plus rien à inventer. Essayez de la prendre en revers comme ça. Ce qui est bien, c'est que je suis avec des potes et qu'on n'est pas tout seul, vous voyez, pour sauver le monde. De là, c'est pour sauver le monde. Ça. You got it. Faut la tuer. Non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Ok, on se fatigue quand on court. Oh, il y en a encore un vivant là-bas. Il est chiant. Ah, lui, il est encore vivant. Oh, le bâtard, il est esquivé. On va pas galérer sur un seul alien là. Allez, bon. Mes potes l'ont décédé. Même pas. Putain. Stick the cover. J'hallucine, faut mettre combien de balles pour le niquer lui. Still in one piece. Got hit. Bon, ça suit vraiment l'histoire du film. Hein. Bon, vraiment en abrégé, on va dire. Par où faut que j'aille. Find some cover. Ah ok, donc ça c'est pour rappeler des balles. Grenade, allez. Là-haut. Là je tire pour vous dire, regardez les balles en bas, hein. Je tire. C'est vraiment con. En plus je les mets. Oh. C'était cool ça. Tiens, casse-toi. Allez. Ah le bâtard.
à recharger. Ok, là-haut. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces missiles? Ah ouais, heureusement que j'ai esquivé, hein. C'est bon. La vitesse où ça allait, hein. Si j'avais pas esquivé, ça m'était vraiment... Merde. Allez. On peut quand même les... Apparemment, je sais pas... Ah oui, ça a l'air d'être... On va voir si c'est destructible. Avec un snipe, je sais pas si on va vraiment bien voir. Hop là, ça c'est fait. Ça c'est du PEGM. Du PEGM. Allez, viens, viens. Ah putain, enfoiré. Oula, attention, je l'ai pas vu. Mais franchement, si vous êtes, si vous devez aller au cinéma pour voir un film en ce moment, c'est Battle for Los Angeles, hein. Vraiment je vous le conseille. Vraiment un très très bon film. Pas comme les vieux films genre Skyline, je sais pas si vous en avez entendu parler, sur les extraterrestres. Oula, quoi? Ok... On va m'expliquer comment je suis mort. Ah ouais, voilà, bon, par exemple là, les personnages que vous voyez là. Ça c'est vraiment les personnages du film. Ah putain, viens ici. C'est chaud, comment je peux mourir à ce niveau là quoi? On va faire ça vite. Hop là, ça c'est fait. Ça c'est fait encore. Lui là-haut, il me fait chier là. On va se baisser. Attention. L'avion. Allez, c'est parti. On sait plus avoir. On va rester loin au snipe. Oh. Olé. Allez, allez, allez. On rate pas une seule balle. Ok, bah voilà. Je l'ai raté. Putain, enfoiré. Parce que le sniper est vraiment très très lent. Mytho pas sur ça. Ouais, dans le film, ils sont vraiment difficiles à buter, mais à un moment, le sergent Nance trouvera comment les avoir. Il est mort là, j'espère. Ok, foutage de gueule. Là, il est bon. Voilà. Allez, c'est parti. Non, franchement, c'est joli, hein. Il se fatigue en courant. Bon, c'était un peu normal. Oh! Oh putain! Allez, on le défonce! Trah! Ça sent les scripts et tout ça. À plein nez. Attendez, combien là? Il n'y a que plus de 3! Il s'est abusé! Non, lui, j'avais pas vu. Hop là! Et voilà, t'as vu à qui t'avais affaire, mon coco? T'as vu à qui. Oh! Alors, par contre, le bruitage de cette arme, c'est vraiment. On croirait qu'ils ont mis l'arme et qu'ils ont fait du bruitage avec une application d'iPhone. C'est abusé. Allez! Voilà, ça c'est. Oh, putain, il est pas mort! Mais il crève jamais, ce mec! Ça aussi c'est fait. Objectif atteint. Bon. Alors. Petite cinématique. Qui c'est lui? Tech Sergeant Santos. Ah, si vous la reconnaissez, hein, c'est facile à reconnaître. Cette femme a fait beaucoup, beaucoup de films. Michelle Rodriguez. I assume you're ready to use that weapon, Tech Sergeant.
I did a tour with a joint unit in Afghanistan, Staff Sergeant. So yes, I'm ready to get some payback. Des erreurs de traduction. Careful with your radio, Staff Sergeant. 10 minutes ago, we called headquarters. You see what happened. Aliens rushed to our location like hungry dogs. Thanks for the information. Do you want to join our unit? Run into the police station to evacuate civilians. No, Staff Sergeant. We'll stay here. Take care of the wounded and wait for the chopper. Do you need help? Negative, Staff Sergeant. Good luck. Super. Gotta keep moving. Keep it tight. Ah, lui aussi c'est un... Enfin, pas un acteur, un chanteur. Voilà, on a Michel Rodriguez avec nous, ouais. Mais c'est super. Allez, c'est parti. Get to cover. Ah. Oula. Des aliens ici. Ah, on va se le faire. They still holding position. Je bouge. Ouf. Put him in it. J'ai l'habitude d'appuyer sur mage en même temps pour. Mais putain, j'arrive pas à la voir. Je sais pas abuser ça. Voilà. Normalement il est mort. Hein. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, donc ce jeu aussi est sorti exprès pour faire un peu la publicité aussi du film. C'est pas un jeu qui se dit être un bon FPS. C'est une petite présentation et franchement que je trouve pas mal. Il serait vendu à 70, déjà ce serait un gros foutage du gueule. Surtout qu'il a une durée de vie de moins d'une heure. Pour ceux qui jouent normal, moi par exemple. On va essayer de faire un ordinaire. Mais... Allez hop. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, c'est pas... C'est bien, c'est comme le film. Oula, attention, missile. Je sais pas s'il y a des coups au corps à corps. Ouais, que je trouve. Bon, on va se mettre à couvert. Ça, c'est le sergent, ça. Le nom doit être Imlay, un des personnages. Quoi? Ok. Abusé, voilà. Il est où? Ah putain. J'ai eu chaud là, hein. J'ai failli crever les gars. Qu'est-ce que tu fais toi? Viens te battre! Attends, intelligence artificielle à la noix là. Eh bien, monte ta tête. Comment est-ce que t'es bougé? Ah bah apparemment ils sont tous morts. Bon ça, ça prouve au moins que l'IA allié tue vraiment des aliens. Hein. Il ne fait pas que nous assister. Comme dans la plupart des jeux. Ça c'est un bon point pour lui. Allez, on les défense. Oh là 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 là. Il est mort. Ah, ça c'est une scène aussi dans... Donc, il y a plus d'eau. Aussi une scène dans le film, vous verrez. Qui est assez marrante. Enfin, assez marrante pour l'aller. You need cover. Waiting in cover. Aïe aïe aïe, j'ai mal. Est-ce que je peux sauter? Ok, attendez. Regardez ce saut de minable. Le mec. Bon, je comprends qu'ils aient quelque chose de vachement lourd sur eux. Quoique, même pas, ils ont pas leur sac là. C'est pas abusé ça. Putain, faut que je reste caché. Ici. Ils visent que moi, comme par hasard. Bande de bâtards. Give me some cover. Ça se fait. Gotcha. Hop là! Eh ouais man, eh ouais man! T'as en face de toi un PG! Allez, 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 allez! Find some damn cover! Damn cover! Merde!
Grenade! Ça va faire bon, les gars! Allez, j'entends, là. On dirait qu'il mange rien! Oula, faut que je fasse gaffe, faut que je fasse très très gaffe. Mes potes sont là-bas. Allez. Il m'énerve, on va bouger comme ça. Allez! Je trouve un peu lent ce FPS. Ça change. Les personnages sont vraiment bien faits, hein, je trouve vraiment bien faits. Par rapport à, par exemple, à Bulletstorm que j'ai fait. J'ai fait qu'il est très bien. Hein. J'aurais voulu vous faire une vidéo, mais ça rentre comme pas possible avec Fraps. C'est vraiment des jolis visages. Que là, on a. Même s'ils ont pas des grosses expressions. Ok. Regardez-moi comment c'est joli. Give me some cover! Les vaisseaux qui arrivent et tout ça. Je pensais pas mal comme. Comme arrière quoi. Bon, dommage, là j'aurais pu en avoir soin d'un coup. Bah voilà, dès que je suis là, je débarrasse tout le monde des aliens. Et voilà, ça c'est fait. You are right! Ah bah t'as remarqué toi aussi? Bon, je reviens juste après cette petite pause. A toutes. Re. Je pense qu'une autre coupure arrivera bientôt, mais pas maintenant. Je vais en profiter. Allez, c'est parti. Où est-ce qu'on en était? Ah oui. Oui. Oh la honte. Oh la honte. Allez, no scope. No scope. Et hop là, le mec, je crois qu'il a pas compris qu'il avait à faire. Le mec. L'alien. Qu'est-ce qui se passe? Encore une cinématique, c'est parti. Ah oui, on devait aller police. Look, there's a helo. We need to hear to weave back the civilians. It's flying away, we gotta stop it. Radio them. No, keep it silent. No radio. Those things will track our signal. We have no choice. We've got to get those civilians to safety. This is Foxtrot 2 November, requesting immediate evac. I repeat, requesting immediate evac. Oula. Oh shit! Move! Quick! We need to reach the entrance before that thing comes back! We'll secure a handful of civilians from that police station. But with the aliens controlling the skies, there was no way we were getting out of there by air. We needed to find some transport or we'd never make it out alive. One of our guys hotwired a city bus, and we made our way out to Santa Monica as quietly as we could. When we hit the freeway, we thought we were finally out of the danger zone. But we were wrong. Those air units are gonna find us. Won't make it out of here! That attitude, but then for sure. We'll be in the clear soon, just keep it together. Look, the freeway's blocked. There's a fight going on. I told you. But there was no way it would be that easy. Quiet! Stop the bus! Harris, take the civilians out! Santos, Imlay, follow me! Follow me! Imlay, get on the Humvee! Mount the turret and take out as many of them as you can! Okay. Waiting to cover! C'est parti, mon kéké! On va tirer sur les voitures, ça explose ou pas? Non. Ok. Enfin, c'est un super. Allez, 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 j'en ai des gars. Bam, 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 bam. Tiens, mange, mange, mon petit chou.
attends. En haut. Est-ce que je peux faire exploser ça? Et ouais. Ça c'est la classe, les gars. Allez, tu vas décéder ou pas? Voici, prends ça. Nous libérons Los Angeles. Oh. Ok, c'est comme dans le film. On va l'exploser, sa race. Ok, ça peut être aussi simple. Quelle mitrailleuse. Concentrate fire there. Ça explose de partout. Putain, tout ce que je dois lui mettre. Attention. Allez, vite. Ne t'inquiétez pas, je vais la détruire. Faut bouger. Non. Go. Oh. Ok, c'est parti, je vous suis, chef. Still in one piece. Wow. Et vite, go. Move the cover. Comment? Bien là, ça c'est cool. Tiens, mort. Ah, ça m'énerve, on doit recharger à chaque fois, c'est super chiant. Oh là là, putain de galère, hein, quoi. Boum. Allez. Mon dieu, meurs. Voilà, ça se fait. Et go. Oh shit. Voilà, on l'a défoncé. Allez, go, je suis sergent. Oh, j'aime bien. Détruis la serrure, tu peux pas le faire tout seul. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Putain, merde! Je me barre. Et que j'y retourne. Allez, on y retourne. Boum! On morfle pas mal là, hein.
Non, franchement, la réalisation est pas mal. Hein. Vraiment un bon petit jeu. Ça détend. C'est vrai qu'il y en a des meilleurs, mais là. Oula. Ok, faut le protéger quoi. Il en fait, il a une vie. Allez, sergent, vous ne mourrez pas. On a trop besoin de vous. Putain, j'arrive pas à l'avoir. Continue comme ça, il va crever. Voilà, allez. À terre. Non, tu m'y touches, je suis mort. J'ai pas compris. On va pouvoir voir un peu l'histoire. Ok, bon, on va essayer de mieux jouer que ça. Hein. Bon, allez, vas-y, monte. Vas-y, monte. Ok, bug du jeu. Je vais retourner en arrière. Eh hey, bouffon. Voilà. Putain, j'ai trouvé un bug. Allez, on va mieux gérer parce que là, il faut pas qu'il meure comme une merde non plus. Le sergent Mance. Le héros. Allez, c'est parti, vas-y, allez, go, je vous suis. Je vous couvre. Ok, je vais tirer dessus, hein. Allez, je vous cover. Presque sorti d'affaire. Non! Faut bouger, en fait, faut pas revenir sur le balcon, c'est ça le truc. Merde, j'espère qu'il pourra tenir. Eh, bande de bouffons, chopez ça! Ok, ça avait rien. Allez. T'inquiète pas. Et hop là mon petit gars. On voit à qui tu avais affaire mon coco. Cours. C'est bon. Ok. Chef.
Defensive position! Oh merde. Found a safe spot! Ce qui est con, c'est que les vitres se cassent pas. Ces monstres sont un peu plus. Ok, attendez. Oh chier! Take them all down! Got you from here! Je suis là, sergent. Bon, bon, bon. Ce jeu est bien. Mais si ça c'est ça pendant 6 heures, je crois que ouais, ça serait vraiment chiant. Pour l'instant, ça passe encore. Hein. Petit script. Hein. Franchement, les personnages sont assez bien faits. Hein. Vraiment, c'est pas moche. Move to cover! Allez, allez. C'est quoi ça? On bouge. Il est où? Il est où? Il est où? Je le vois plus. I'm good over here. Ah mais. Bon, je reviens juste après. Je fais une pause. À toutes. Mange. Touché ou pas? Touché. Putain, mais c'est super galère à avoir. Merde. Peut-être faut attendre qu'il bouge plus. Seul. Voilà, allez. Putain, fou, ouais. J'ai du mal, hein. J'ai vraiment du mal avec. Oh! Attendez, y'a mon téléphone qui sonne, comme par hasard. Excusez-moi vraiment du dérangement, mais c'est vraiment chiant. Ouais, c'est parti. Allez, alors faut attendre en fait qu'il fasse sa grosse attaque bleue. Voilà. Boum, dans ta gueule. Et voilà. Là, ça le calme. En fait, il fait toujours la même chose, hein. Faut toujours voir. C'est ça qui est assez simple avec lui. Dès qu'on a compris le truc. Allez, alors, j'attends qu'il fasse son attaque bleue. Voilà. Par contre, il me faut lance-roquette dans la bouche pour qu'il crève, mais il faut pas mal, hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, allez, mon petit gars. Attaque. Attaque. J'aurais voulu tirer encore un petit coup, mais je pense pas que j'aurais eu. Ok, attends, je reprends mon arme. C'est parti, j'arrive. Merde. Ok, en gros, on va le finir. Ouais. Est-ce qu'il va encore faire son attaque? Est-ce qu'il va la faire? Allez, fais-la ton attaque. Allez, on y est presque, on y est presque. Ouais, là, il est pas content. Vas-y, fais ta putain d'attaque. Ah, c'est bien, il y a les éléments destructibles. Allez, 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 allez. Allez, ta putain d'attaque. Voilà. Boum. Et voilà, mon petit gars. What, attention, les domiciles vont là. Ouais, bon, bon. C'est bon, allez, 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 c'est un peu le bordel, c'est le bordel. Allez, vas-y, allez, vas-y, allez. Fais-toi bien, là. Voilà. Boum. Allez, je pense encore deux, ça pourrait être terminé. Putain, il fait mal, hein. Allez. Allez mon petit gars, balance ton attaque bleue, allez. Voilà, c'est ce que j'attends. Allez, encore une dernière. Je pourrais y tenter, ah. Allez. La dernière, je pense, sera la bonne. Allez. Reculez. Jamais.
Ça, c'est la phrase du film que vous venez d'entendre. Ouais. Boum. Badaboum. Oh, je l'ai loupé! Mort de rire. Wouh, je l'ai loupé. Pourtant, j'avais fait une belle phrase. C'est pas grave. En fait, faut juste bouger, appuyer sur le bouton du cul. Des quoi est-ce qu'il y a? Hasta la vista, baby. Non. Oh, le foutage de gueule. Il en reste un PV, on se prendrait dans Pokémon là, c'est chaud. Allez. Fais ton attaque bleue pourrie là. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Et ça, c'est la classe. Ouf. Le mec il a eu le temps de laisser deux gros missiles passer à côté. Parti où mon pote? Il est redescendu? Ah non, il est... Allez, c'est parti. J'aurais préféré sauter. Allez. Voilà. Merde. Ça m'aurait étonné là. Allez. Go. They get you. Find some damn cover. Quoi? Oh merde. Boum. On va se cacher. Oh, regardez, trace de balle. Ou enfin, trace de balle, c'est bizarre. Quoi. C'est juste des images, quoi. Ah, bien joué. Ah, on vient là où on était, là. On... to save the civilians, things were looking pretty grim. Carpet bombing never happened. The aliens controlled the skies, and with them, Los Angeles had fallen. Word from HQ was retreat and regroup. But Nance had another idea in mind. Hey, you know, I was thinking. We checked out the alien ship we took down. It was empty. No pilot. Il était vide. Il y a des problèmes de... They somehow managed to fly in formation. What do you think this means? Don't know. But something has to be controlling them. And if we can figure out what it is, maybe we can destroy it and take back the skies. Damn it! My controls have gone haywire! Brace yourself! Looks like we're going down hard! Phew! We're good now. What the hell was that? C'est parti, comme dans le film. Allez. Ah bah là on est 5. Bon, on va où? On doit suivre le point rouge. C'est parti. Toujours aussi beau décor, hein. Franchement, vraiment un très beau décor. Gameplay pas mal.
Ah merde, il y a encore ce connerie. Ok, flanqué. Oula la 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 la, comment on va faire? Grenade, on va les calmer. Il faut que je bouge. Tac 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 tac. Il se fatigue vite hein, mon personnage, c'est chaud hein, quand il court. Hein. Allez vite. Je sais pas où ils veulent que j'aille. Mais j'y vais hein. Merde. Putain merde, enfoiré d'alien. Bon on va en fait on va devoir le sauver. En montant là-haut. Ah quoi, j'ai plus de snipe. N'importe quoi, oublié. Quoi, je l'ai pas eu? Mais mon dieu. Mon dieu. Ok, alors là, je crois qu'il y a un petit bug. Hein. Ah bah voilà. J'arrive. Bon, je peux pas passer par là, va falloir retourner en arrière. Quoique je sais pas s'il faut que je retourne en arrière, si je pense. Allez. Par contre la bande sonore est vraiment pas terrible. Hein. Vraiment. Hein. Quand je dis pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Allez, on avance. On presse ces aliens. Quoique, attendez. Quoi? Ouh. Ok, d'accord, j'ai rien compris. Re. Alors, on a eu un petit problème. Voilà. En fait, j'avais plus de place sur mon disque dur. Comme vous savez, frappe, ça prend énormément de place et j'avais plus de place du tout, quoi. Donc j'ai dû effacer quelques trucs et j'ai remarqué ça qu'au bout de 5 minutes. Ce qui n'est rien du tout, mais dans le jeu est vraiment assez long. Donc en fait, vous avez juste loupé une petite bataille dans des égouts qui s'est soldée assez rapidement. Et juste, on a protégé le sergent. Le sergent Nance pour qu'il vise avec le pointeur laser pour que les missiles viennent attaquer en fait le PC des extraterrestres. Le PC c'est ce qui contrôle en gros tous les drones que vous voyez qui volent et tout ça parce qu'il n'y a rien dedans et c'est que ça qui les contrôle. Donc les missiles sont arrivés, ont tapé, mais ça n'a pas détruit le PC. Le PC est en train de s'envoler. Donc nous reprenons là. Excusez-moi encore. Donc il est là le PC, vous le voyez. C'est énorme. Allez, c'est parti. Yes, sir. Get to cover. À tous les coups, il y aura des aliens. Don't let up, go, 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 go. Found a safe spot. Find some cover. Mangez ça. On va passer sur le côté. C'est parti. Give me your status. Got one. Get behind cover. Give him heat. Putain, je suis tout seul en haut. Les potes, ils m'ont pas suivi ou quoi?
I need cover. Alright. Hey, you okay? Yes, I'm okay. Get your ass to cover. Encore un drone. Putain. Alors là, faut encore attendre. Hein. La technique de l'attaque bleue. Allez, attaque-moi. Attaque-moi. Allez, go. Ah, j'en fais vachement plus mal qu'avant, hein. C'est amusé. Hein. Oh. Allez, faut pas que le PC s'en aille. Faut en profiter. Boum, 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 boum. Allez, encore deux coups et ça sera fini, je pense. Ah, il crie aïe, mais il bouge pas. Hein. Allez. Attaque bleue, attaque bleue, attaque bleue, attaque bleue, attaque bleue, attaque bleue. Je l'ai touché ou pas? Putain, je l'ai pas touché! Oula! Je l'ai pas touché! Pourtant, il est bien parti directement dans sa face, non? Je le signe pas! J'espère! Oh non, je crois que je l'ai pas touché! Ah si! Oui, bien joué! Attention au missile! Fou mon pote, il fait rien, hein, regardez. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais, il fait rien. Allez, vas-y mon petit gars. Oh. Je reprends mon arme. Allez, on y va. Go 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 go. Wow. Par hasard, des aliens. Tiens, ça m'aurait étonné. Up the stairs. Move. You need cover. Il va le payer. J'ai réussi, mais il est pas mort. Là. Là il est mort. Putain, il est parti vite là, sergent Nantes. Ils vont où là? J'ai pas compris. Il fait quoi? Partir par là, c'est par là la bonne direction. Apparemment l'IA déconne. Quoique non. On peut pas passer. Ok, alors mur invisible, on sait pas ce qu'il fout là. Alors là je sais vraiment pas où aller. Parce que là on est bloqué. Ils sont cons hein, ils sont cons. Hein. Voilà, il est où? Santos, you and Emily are holding the enemy off. Guerrero, you're on the radio. Wait for my signal. Everyone ready? Let's go! Ok. Mon avis, le Humvee est là-bas. Non, même pas. Mais si. Ah bah comme par hasard, maintenant je peux y aller. Ok, super. Allez, allez. Faut tenir 2 minutes avant que le missile arrive.
ta. Meurs. Is that all you got? Oula. J'aime bien, elle chauffe jamais mon arme. C'est pratique hein. On l'a touché. Tu ne mourras pas. Ça y est, ni presque. Oui, on a défoncé le PC. Et voilà, tous les drones ne tiennent plus. Allons reprendre Los Angeles. That day we helped protect the streets and air from destruction. Good men gave their lives to protect the city. Los Angeles may be safe, but we're far from victory. We'll continue to fight back against alien invasion no matter how dangerous it becomes. Earth needs to be saved, because we're the Marines, and the Marines don't quit. Merci d'avoir joué. Nouveau contenu déverrouillé. Déverrouillé. Ok, déverrouillé. N'importe quoi. Bon, bah ce que j'en ai pensé, c'est que c'est un petit jeu qui fait passer le temps quoi. Heureusement qu'il coûte pas plus que 10€ quoi, parce que sinon c'est l'arnaque du siècle. Non mais c'est un petit jeu qui fait passer le temps. Je vais mettre un petit 12 sur 20. Allez, un petit 12 sur 20, ouais. Parce que j'ai beaucoup aimé le film. Qu'est-ce que j'ai déverrouillé pour voir hein. Déverrouillable. Ok, une vidéo, peut-être quoi. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un motion. Ah, ok, c'était pour le film en gros. Bon, c'est pas mal, ça explique un peu. Ils ont créé le jeu en gros. Et mode Hollywood, physique de l'espace. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, bref. Sur ce, je vous laisse sur ce petit jeu qui était assez sympa. Abonnez-vous, hein, cliquez sur j'aime et laissez des commentaires. Désolé pour les interruptions, vraiment désolé. Donc à mon avis la vidéo ne sera pas trouvable en HD pour pas prendre trop de place, vous comprenez. Donc voilà. Allez, salut et tchuss.